À la limite du Gers et de la Haute-Garonne, à Bellegarde-Sainte-Marie, les félins de nos villes ont trouvé leur paradis. Ici, chats de gouttière, norvégiens, siamois ont leur nanny, Fabienne et Linda, deux amies de 20 ans passionnées de chats, c'est peu dire. Alors, vous voyez sur le premier perchoir là-bas, c'est Voltaire, un chat qui est un habitué aussi, Gala, une jeune fille très bavarde et très, très sympathique. Et c'est tout ce qu'on voit, mais on a aussi, avec Voltaire, on a Yoda, donc là en ce moment ils sont potes, donc ils sont contents. Et Gala partage sa chambre avec Ganesh et Léo, qui sont des chats aussi très sympathiques. Ici, il faut le dire, c'est la vie à la cool. Moyennant 20 euros la nuitée en chambre individuelle ou 14,10 euros en collectif, les matous sont bichonnés. Activités câlins, jeux, chansons des nannies, ateliers dessin ou écriture. C'est parfois même très dur de repartir de Chamallow. C'est trop parce qu'on a vraiment des chats qui se font des copains. Des copains de colo, quoi. On dit la colo chez Chamallow, mais c'est ça, mais ils se font des copains. Non, mais je vous promets. Et quand le copain part, non, mais c'est vrai. Mais c'est ça, je vous dis, c'est comme une colo. Et quand le copain part, il déprime. L'été, on est un peu plus à l'étroit, forcément, puisqu'ici, on accueille jusqu'à 70 chats au mois d'août, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Déjà, ils sont en vacances, donc ils ont pas besoin de mettre la pagaille. Ils sont là pour se reposer comme leur maître. Non, c'est pas la pagaille, parce que comme justement, ils ont. Chambre intérieure et chambre extérieure. Il y a les chats qui sont principalement à l'intérieur, qui sont plutôt pépères et tout ça, et les chats qui adorent se bronzer à l'extérieur. À un moment donné, chacun a son dodo, son rythme aussi, parce qu'ils sont, ils sont pas toujours au même rythme non plus. En fait, il y a ceux qui vont plus être actifs la nuit, le soir. Et oui, chat tombe sous le sens. À l'arrivée à Chamallow, on questionne le propriétaire sur l'animal, histoire de ne pas mélanger les caractères incompatibles. Chamallow, ça n'est pas non plus Venise. Ici, pas d'histoire d'amour ou alors platonique. Les chats arrivent stérilisés, vaccinés et traités en typhus, c'est la condition sine qua non. Des propriétaires viennent de la France entière déposer leurs chats dans cette pension. Et en croire ce mur de carte postale, les plus malheureux ne sont pas ceux qu'on croit.